Mesdames, Messieurs, faut-il le rappeler? La crise politico-sécuritaire institutionnelle que subit notre pays, le Mali, et l'apparition de la pandémie coronavirus impactent sur la prévalence de la malnutrition aiguë estimée à 10,94% et à 2,0% dans sa forme sévère. L'objectif de cette activité est d'informer et de sensibiliser les jeunes sur la nécessité de leur implication ou aussi faire le plaidoyer pour la prise en compte de cette thématique dans les politiques publiques. Je vous espère que les objectifs, les résultats attendus assignés aux objectifs spécifiques seront atteints, à savoir entre autres, les jeunes sont informés sur l'importance de la nutrition et le WASH, les jeunes sont sensibilisés sur les bonnes pratiques en matière de nutrition et WASH. Le plaidoyer est mené à l'endroit des autorités pour une prise en compte efficace dans les politiques et programmes. Merci beaucoup. Alors, nous sommes ce matin au Maeva pour le Forum national des jeunes sur l'alimentation, notamment agir pour la sécurité alimentaire. Ça intervient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'alimentation. Et nous avons jugé nécessaire de faire un Forum national des jeunes pour impliquer les jeunes dans le processus de la sécurité alimentaire, pour informer les jeunes sur ce processus, notamment les différentes politiques qui existent au Mali en matière de nutrition et d'alimentation, mais en même temps formuler des recommandations qui vont être adressées aux autorités, mais aussi aux jeunes par rapport à leur implication en tant qu'acteurs clés pour tout ce qui est la sécurité alimentaire. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il est temps pour la jeunesse de s'impliquer dans ces questions-là et surtout d'agir par rapport à la sécurité alimentaire, par rapport à l'accessibilité, par rapport à la disponibilité et par rapport aussi à tout ce qui est elle-même, son savoir-vivre, son bien-être par rapport à ces questions-là, notamment la nutrition. Ce que nous recherchons dans le cadre de ce projet, c'est de faire des jeunes des acteurs par rapport aux questions de nutrition et d'alimentation et les questions de WASH. C'est de faire des jeunes vraiment des moteurs de changement pour ces questions-là. Et c'est surtout amener les jeunes à interpeller les autorités par rapport au respect des engagements pris tant au niveau national qu'au niveau international sur ces questions-là. C'est de faire des jeunes des soutiens aux collectivités au niveau local pour appuyer ces collectivités-là par rapport à la mise en œuvre des différents PDSEC dans lesquels sont inscrits ces questions de WASH et nutrition. Et l'autre volet que nous voulons faire, c'est de rendre ces questions-là multisectorielles, que ça ne soit pas seulement des questions liées au développement, au développement social ou à la santé, mais que ce soit des questions qui vont prendre en compte l'ensemble des volets de notre pays, que ce soit la sécurité, que ce soit la défense, que ce soit la santé, que ce soit l'eau. Vraiment que ça devienne quelque chose d'assez multisectoriel et qui va prendre en charge l'ensemble de la chaîne de production et d'alimentation. Aujourd'hui, notre alimentation, on peut dire qu'on est, il y a plusieurs faciès, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en phase de transition alimentaire, c'est-à-dire que les gens ne sont pas en train de manger comme faisaient nos ancêtres, etc., etc. Donc, au-delà de ça aussi, ce qui vient d'ailleurs est en train de modifier de façon considérable, sinon agir de façon considérable sur notre alimentation. Donc, ces deux aspects font qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que il y a des problèmes de santé qui résultent de notre façon de nous nourrir. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas très, très, très à l'aise actuellement avec le modèle alimentaire qui est présent par rapport à ce qui est réellement recommandé en termes de nutrition. Alors d'abord, il y a les caractéristiques de la ration alimentaire. Hein. Une bonne alimentation doit être saine, elle doit être diversifiée, elle doit être suffisante, elle doit être variée. Maintenant, au-delà de ça, à l'échelle personnelle, il faut manger moins gras, moins salé, moins sucré, faire de l'exercice physique et boire abondamment. Donc tout cela doit être fait aussi dans un environnement sain, avec des mesures d'hygiène, n'est-ce pas, qui s'apprêtent qui sont édictées à la matière.